Yo tout le monde, c'est Thiob. Épisode 2, nous sommes les... Alain. Effectivement, donc c'était... C'est assez compliqué comme campagne, je me rappelle. Oh, bah tiens, je l'ai oublié ça. Ah bah allez, c'est parti. Oui, on était allé piller et... attaquer les Hérules, prendre cette cité. On avait fait la paix avec les Bosphores et les Ardents. Ici, on était un peu en dèche de thunes. Très beaucoup en dèche de thunes même. Je vais dissoudre ces deux unités, voilà, pas trop choix. Hop. Voilà, donc j'ai fait le montage de l'épisode précédent et je me suis rendu compte que je parlais entre les intertours, donc je vais essayer d'éviter. Je ne suis pas sûr que j'y pense, bien comme il faut. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Mais voilà, je vais faire de mon mieux pour y penser. Alors. Wow. C'est cher. C'est quoi comme... Oh, okay. Allez, entraînement au duel. C'est parti, mon kiki, comme on dit chez nous. Gauss. Gauss, il a up. Pas de soucis. Alors, lancier. Quelques tirailleurs de la cavalerie des steppes. Écoutez, c'est à notre avantage. Au pire, je fais une retraite, une réattaque. Et ça se passe pas trop mal. Donc je mène la bataille sur le champ. Pour les autres, on se retrouve juste après. Bien évidemment, la vidéo est disponible. Enfin, la bataille est disponible en fin de vidéo. Donc, les fameuses tactiques Allen. Bon, pour ceux qui ont regardé la bataille, vous avez vu à peu près ce qui se passe. C'est juste clairement, c'est comment dire, cavalerie légère. Comment ça s'appelle en plus? Ça a un nom spécifique. C'est. Ah, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, les gars. J'ai un trou de mémoire, c'est. Ça me reviendra. C'est des unités de. Ceux qui sont faites pour faire chier, entre guillemets. Je sais pas de quoi. Alors, bon là on est obligé de développer le 1, c'est ça? Eh ouais, pas le choix. Et on avait dit seigneur du massacre, hein, ouais. Voilà, en tout cas, mes villes coyotes qui sont efficaces, hein, pas à dire, les gars, elles sont efficaces. Là j'ai pas la portée, je crois. Non, on continue le pillage. Ouf, ah il y en a besoin. Un thune, j'ai un d'or. Ok. On continue. Est-ce qu'il y a du monde? Il y a du monde. On va quand même tenter l'attaque. Sérieux, ça passe pas? On va continuer. Pire des cas, on fusionnera et on achètera des unités de mercenaires, c'est pas très très grave. Ouais, donc ça c'est pas important, ça va. Bon. 5 tours. Oh, c'est pas mal ça. On va faire ça, lien du sang. Non, trop cher. Mais c'est vrai qu'on a pris ça là, ça c'est bien. Ouais, on va terminer le tour là-dessus. Si on nous attaquait, bingo. Voilà. Ils ont pas de cavalerie, peu d'unités à distance, et bon, on va leur faire la même. Hein. On va leur faire la même. Donc, pour ceux qui veulent, on regarde. Enfin, on joue la bataille sur le champ. Pour les autres, on se retrouve de suite.
À nouveau la victoire, donc bon, ce fut difficile, on va pas se mentir, ce fut assez difficile. De la bonne résistance hein, de la part de l'ennemi. On va faire une résolution auto. Voilà. Voilà. Et on va occuper, bien évidemment, cette cité. Je peux pas faire ça, ça m'intéresse pas. Et on va. Envie de faire ça, mais il me faut de la défense. Hein. Il va me falloir pas mal de défense, sachant que j'ai les goûts à côté. Même si je m'entends moins mal avec eux. On s'entend toujours pas non plus, on n'est pas potes, quoi. Clairement. À mon avis, je vais envoyer mon armée de Samandar là-bas et mes villes coyotes, je vais les faire revenir. Bon, mon général a quand même pris. Pas mal de stats. Voilà, ce polyateur vicieux, parfait. Ouais, il va me falloir de la bouffe armée à Arémiar. Arémiar. Putain. Arémiar. Regardez. Oula. Vous voyez ça les gars là, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout même. Un petit recrutement, hein. Oui. Ah mais non. Non. Pourquoi? Parce que ça. Alors juste ça. Non. Je voulais voir si on avait des unités de garnison avec ça. Ça aurait pu être intéressant, mais pas du tout. Enceinte sacrée. On va recruter deux. C'est le mieux qu'on puisse faire actuellement. On va faire ça. Pas trop le choix. C'est compliqué là. C'est compliqué là. Si les Bosphores se réveillent, on va être un peu dans le mal. Ça passe, ils ont pas l'air de. Ils ont pas l'air chouchou actuellement, moi ça me rend. Voilà, je peux recruter tranquillement des unités. On continue comme ça, hein, il n'y a pas de problème. Je vais savoir combien de temps, combien de tours je me mets à me reconstituer. 3, 3, 3. Peut-être celle-là, 3 tours. Ça va, c'est raisonnable. C'est plus que raisonnable. Bon, ça me va que ce soit eux. Parce que j'ai largement de quoi me défendre ici, à Samandar. Non, on va faire un coup d'amélioration ici, comme ça on sera bien. Hop, et ici. J'ai deux droits de recrutement pour les dignitaires, hein, c'est bien. Plus 10% de richesse provenant de la culture. Bah, vu la culture que j'ai, ça va pas me rendre beaucoup plus riche, hein, les gars. Voilà. Voilà, quartier maître. On paye bien moins cher l'entretien. Moins de recrutement, de coûts de recrutement et plus de taux de reconstitution. Ça me va aussi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse même beaucoup. Voiture variée, ouais, super, putain. Ouais. On a déjà pas des masses de bouffe et en plus elle a varié, quoi. Ah, ouais, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Archer nobre. Allez, non. Ça cheval ça. Ok, bon là, on va passer quelques tours, je suppose. Ouh, vous voyez, ça fait plaisir là, le recrutement en or.
Hey, les gars, hey. C'est-il pas beau ça? Je trouve ça magnifique. Mais il nous faut développer nos villes. Hélas. Je vous rapporte que Monseigneur veut en finir avec la guerre. Ça me va. Ça me va largement. D'autant plus qu'on va échanger ses armées là. Donc ça va prendre quelques tours. Vu que je suis à peu près bon sur le front du sud, je vais tout mettre sur le front du nord. Enfin, je vais renvoyer le front du nord en dernier. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Bon, ça me saoule un peu, ça me bloque le. Oula. Bon, on va se mettre à Sirac. Hein. Pas trop chaud. Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Non. Ça, ouais, je pourrais faire. Bon, je suis en insalubrité ici. Alors que j'augmente mon. Un truc qui me donne de l'hygiène publique, hein, je sais pas quoi. Je sais même pas s'il y a quelque chose qui m'augmente l'hygiène publique, hein, les gars. Enfin, en techno, du moins. Il y en a, hein. Il y a bien des bâtiments, mais. Il y en a certains, ils ont de l'hygiène publique avec. Oh la vache, c'est rien. Ah, c'est moche. Ah ouais, je vais être obligé de faire masse bâtiment de. En gros, par ville, il me va falloir un bâtiment qui m'augmente l'hygiène publique. Genre là, il faudra un puits ou un truc à la con comme ça, quoi. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Bon bah. C'est comme ça. Bon là, il me saoule un peu les Bosphores. Je vais aller piller chez eux là. Je vais voir s'il y a des choses à piller. Ah bah, ils ont la même idée. Vous savez quoi? On va faire une embuscade. Une embuscade, ça marche toujours bien, hein. Voilà. Là, j'ai vu que je pouvais avoir de la bouffe. Si c'est là. Non, là, là. Oh, je sais plus. Ah bah c'est là, voilà. Ouf, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, je peux une unité de cavalerie, je sais pas pourquoi. Petit doigt, il me dit, fais ça. Toujours écouter son petit doigt, les gars. Toujours. Ok, go. Ah, bonjour. Voilà! Embuscade! En bouche! On profite. On relâche, hein, bien évidemment, on a besoin d'argent. Un principe, mode équilibré. Putain, j'ai perdu mes deux unités de cavalerie. Mes deux meilleures unités de cavalerie lourdes là qui. Ah, c'est pas grave. Force infinie, c'est pas mal ça. Hein. Ça. Oh, c'est bien aussi mettre de calories. Allez, hop, vite. J'ai pas l'argent, c'est de l'eau. Tac, tac. Je vais avoir de l'argent. Un petit bois d'api. On va voir s'ils sont chauds pour me faire un traité de paix. Avec le temps se mettent à puer deux choses. Le poisson et les invités surprises. Parlez rapidement avant. Ok, ça me va. Nous ne pouvons plus rien demander. Votre proposition est juste.
honorable. Je vais fusionner les deux. J'espère qu'elle en fera un profit. On va fusionner les deux armées. Je vais récupérer des unités sur l'armée de mon général. On va voir ce que ça donne. Les dieux bénissent celui qui accepte. Pas de soucis, mais comme ça. Ouais, non. Mon peuple ne peut pas. Ouais, casse-toi. Ok, ok. Hop. Sweep. Tout ça là, hop. On peut mettre comme ça, non. On change de tirailleur, allez hop. Voilà, elle on va la faire aller là. Ah. Et aussi on peut développer ça. Et là tu me dis. Ah bah tiens, il y a même une. D'accord. Sage de la forêt. Bah non. T'as pas de forêt mec en fait. C'est ballot. En fait, t'habites les plaines, t'es pas un sage de la forêt quoi. C'est bizarre. Tu es bizarre comme personne. Bon, les Ardents, ils vont pas nous redéclencher la guerre tout de suite quand même, ce sera un peu chiant. Ouais, bon, les Bosphores, ils sont pas loin non plus. Hein. Voilà, allez, on va retourner là-bas. Tranquillement, et par contre, toi. Zuit, Syrac, hein. Syrac rapido, ça. On prend Syrac. Oh, on est bien niveau hygiène, tiens. C'est bizarre. Bon, ça va. Gélonus, on va faire de la nourriture. On va faire de la nourriture. On va faire ça en attendant. Je change le tour d'après, bien évidemment. C'est pour pas avoir de bas quartier. Les bas quartiers, c'est infâme, c'est chiant, ça sert à rien. Nous pouvons voilà, j'ai bien fait de ramener mon armée. Hein. 3 ou 4 tours. Hein. 3 ou 4 tours la paix, hein. C'est court avec eux. J'espère qu'ils vont pas arriver là. Putain, par contre, s'ils arrivent à pile ce tour, ça me ferait chier. Ça me ferait perdre ma capitale. Oh. C'est pas mal ça. Plus de portée. Ah merde, ça baisse le moral. Non, non. Ensemble de portée. Gna gna. Toutes les charges. Ouh, oui, bien. Plus de d'efficacité sur charge. Écoutez, les gars, on va pas dire non. 6 tours, la vache. C'est pas grave, on fera des bretteurs très certainement. Ou des haches, je sais pas, des haches, c'est bien des haches. Voilà, pour défendre une cité, il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. Voilà, même les unités de cavalerie, elles sont pas très très utiles en soi pour défendre les cités comme ça. Allez, j'espère qu'il va pas arriver là ce tour là. Ça passe. Passage de péril, donc plus de morale des unités. Voilà. Tac tac tac, culture gouvernance 1, on va faire ça. Pile de croissance. Et on augmentera même l'heure de public. Ici. Ah putain, j'ai oublié. Vous savez quoi, ça me fera plus de d'heures par tour. Hein. Pour le début, c'est pas non plus un problème. Niveau salubrité, je m'en fiche un peu. On est pas trop mal ici. Et on va vite faire un échange. Toi, on va t'envoyer là-bas. Et. Mais non. Putain, c'est chaud. Toi, là. Toi, là-bas, voilà. Et toi. Voilà, on est bas. On est plutôt pas mal. Hop.
De recherche, ça fait jamais de mal, hein. Qui que ce soit. Et quel âge? 45 ans, ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, puis je vois qu'on a bien avancé dans la vidéo. Ouais, déjà 40 minutes de tournage. On fait pas la paix de suite, hein. On va essayer d'aller pipi avant. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo demain. Voilà, on ira un peu piller nos voisins au bout d'un moment. Bah, ils déclarent la guerre, ils arrêtent. Ils déclarent la guerre, ils arrêtent. C'est un peu embêtant. On fait un camp fortifié, ça aide toujours pour les résolutions automatiques. On va pas se plaindre. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode et pour un certain nombre de batailles qui aura lieu quelque part par là. C'était Thiob. Ciao! Alors, c'est un terrain plat, c'est bien, hein, de toute façon c'est ce qu'il nous faut. Découvert, à découvert, je veux dire. Ce qui va bien nous aider avec nos archers. Enfin, nos archers montés, bien évidemment. On a des tirailleurs ici. Cavalerie de mêlée, tout ça c'est de la cavalerie de mêlée, donc on va faire attention. Ok. Hop. Voilà, on met dans l'ordre. Voilà, tout ça. Bien évidemment. Escarmouche, les gars. La division en deux. Parce qu'ils ont deux unités de cavalerie, on avait vu. Hop. Donc. On n'oublie pas de les. Comment on appelle ça déjà? On les encadre, on en prend les encadre, on les défend. Ah zut, vous savez quand on défend le. On les escorte! Oui, voilà, on les escorte. On les escorte comme il faut. Il y a cette petite unité de tirailleurs, voilà, il faudra faire gaffe à toujours rester hors de portée. On va accélérer, voilà, à mon avis je vais quand même subir de la perte parce que c'est très dur de rester hors de portée de ces saloperies. Voilà, on met un coup d'accélération. On s'approche. On fait très attention à toujours rester hors de portée de leurs unités là de tout en fait. Hein. Voilà, en plus on a des tirs partent. Hein. On garde toujours une distance de sécurité. Là-bas, on est bien. Ok, là ça charge. Là du coup il se prend des tirs, ça c'est bien. On recule, hein, on recule, on peut voir qu'on est à portée de tir. Hop. Et là on va en profiter pour charger. Oula 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 oula, et oh voilà. Voilà, on fait genre, hop, du coup on se retire vite fait là. Ça permet de faire pas mal de pertes sur cette unité. Là-bas, on voit quoi? On voit que il bouge pas trop. Et ben, écoutez les gars, c'est gratuit pour nous. Hein, la tiraille comme ça, c'est jamais très très agréable. On décale. Putain, on décale pas de suite en fait. Et voilà, on charge. On va charger. C'est bon, lui, il est au contact là. Non, il est pas en contact, c'est ça. On recule un peu. Voilà, c'est pas la peine de se prendre des dégâts gratuits là. Hop. Voilà, aïe. Ça fait pas plaisir ça. Voilà, là on est pas trop mal. Là-bas ça fuit. Là on va la décaler là.
Hop, on fait attention quand même à ne pas se faire charger par l'autre général. Voilà, comme ça. Hein. Là, ça fuit bien. C'est quand vous voulez, les gars. Putain, ça fait troisième fois qu'il lance une salve là. Il a de la munition, le salaud. Hein. Hop là, on charge. Même tarif. Hein. Mon général. Je vais l'envoyer là sur le tirailleur ici. Non, c'est quoi là? Oui. On va faire genre, on va faire mine de tirer là. Et lui, on va lui dire, tiens, attaque ce général toi. Voilà, ah merde. Il a pas dissous lui, ça c'est bête. Ouais, sinon tu veux pas, d'accord, c'est cool. Voilà, tout ça là, ça se passe bien, voilà. Pas trop besoin de regarder. Hop. Voilà, toi tu regardes là, t'es bien. On contourne et on attaque par l'arrière. Toi, arrête d'attaquer là-bas, tout ça là. Hop, on attaque par l'arrière. Si on peut, bien sûr. On vérifie les munitions, c'est un peu ce qui va faire défaut. Là, ça attaque, c'est très bien. Hop, on bah, parfait. On s'éloigne du général qui peut être gênant. Et on va aller sur les autres unités, on va en profiter. Hein. Lui, il va, voilà, il va s'essouffler de toute façon. Il se fait attaquer par l'arrière. Voilà, et on va attaquer tout là-bas. Hop, zut, on décale ici, on est bien. Là, on est bien aussi, voilà. Pas d'accro. Zut. Voilà, ça tire tranquillement. Ici, on va les faire tirer là. Ici, ça se passe bien, hein, ça meurt tranquillement. Voilà. Quoi, rapprochez-vous, mort marchand, on n'est pas pressé non plus. Hein. Voilà, ça fuit comme il faut. On poursuit, on a de la cavalerie légère, hein, c'est fait pour. Voilà, bon par contre, ce qu'on va éviter quand même, c'est de tirer sur nos alliés. Donc voilà, on va envoyer toutes les unités de tir à distance. Et bah là, et on va surtout arrêter les feux à volonté. Hop! Ah, je vous ai dit quoi, les gars? Arrêtez, stop! Mais c'est pas vrai, il continue, hein! Bordel! Ah, il tire quand même, quoi! Il n'y en a aucun qui a feu à volonté, mais il tire quand même. Hop, allez, c'est quoi? Vous êtes punis, les gars, au bout d'un moment, faut arrêter. Là, ça fait quoi? Là, ça poursuit, on est bien. Voilà, c'est une belle victoire, écoutez, c'est une très belle victoire. Vous avez vu les tactiques, du coup, les tactiques Allen. Allez, c'est reparti, c'est reparti. On fait en sorte d'avoir un peu de cavalerie lourde sur les deux côtés. Voilà, exactement comme la, comme précédent, hein, ça marchait très très bien. Et là, on va se dépêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un général seul là-bas. Oh, le pauvre. Non, je déconne, pas le pauvre. Bien fait pour sa poire. Les renforts, ils viennent. Là, on a derrière. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais point. Voilà, mais on n'a pas peur. Voilà, on envoie ce qu'on a.
Hein, n'hésite pas à tirer. Hein. Voilà, on met tout ce qu'on a. On met tout ce qu'on a et ça lui fait mal. Alors, on n'hésite pas à s'approcher un peu, mais pas trop non plus. Ouf, 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 ouf. On peut faire attention aux munitions. Voilà, on va arrêter les feux à volonté. On va arrêter les feux à volonté, j'ai dit. Ah, même pas besoin de, même pas besoin de la cavalerie. De la cavalerie de mêlée. Hop, zut. Voilà, on va mettre en accéléré, on n'a pas besoin de fatiguer un peu plus la cavalerie. Voilà, voilà, voilà. Cette unité là, je vais pas hésiter à les rapprocher. Celle-là, hop. Et ici, on est bien. Hop. On va faire le tour avec cela. Il y a de la. Il y a de la, il y a de la l'unité à distance derrière. Hop, là ils me rattraperont jamais. On est bien. Oui, c'est bon. Voilà. Là on détourne bien. Il faut vite que je me dé. J'ai oublié ça. Il y a une unité lourde. Ouais, c'est ça. Allez, va vers ton général, toi. Pourquoi il a du mal à charger mon général lui, hein? Voilà, oh putain mais les lanciers là, ils sont plus rapides que les unités, c'est quoi ce bazar? Bon, allez. Oh! Allez, on réagit un coup là. Et les unités à distance là, c'est quand vous voulez sinon? On se réveille. Voilà, on est bien, on divise l'armée en deux, pareil, c'est une dame. On change pas les méthodes qui gagnent. Voilà, allez vous, on accélère un coup les gars, là, au bout d'un moment vous êtes lent. C'est quand vous voulez les gars que vous tirez. Ah merde, putain je suis con. Putain j'attendais mais depuis tout à l'heure mais oh là. Hop, ici y'a quoi? Une unité légère, pas intéressante. Ici y'a quoi? Encore rien, encore moins de trucs intelligents là. Hop, ah bah tiens, hop, c'est de la légère, bah tu sais quoi, hop, ça va finir en charge. Ouais, plutôt là, hop, bonne charge là. Voilà. Et bien sûr, on le laisse pas reposer, on va pas le laisser nous tirer dessus, faut pas déconner. Eux là, hop, ils sont gratuits derrière. Voilà, eux, même principe, même tarif les gars. On annule ce. Cette charge, voilà, on va essayer de partir là, il y a un passage. Hop là. Ah merde, j'ai pris une unité de... Ah merde, j'aurais pas perdu une unité de corps à corps. Et qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh, oh, oh. Ils sont rapides, c'est pareil là. Ah, ils vont se crever vite par contre. Hein. Ah, un bout de souffle, tu m'étonnes. À force de courir partout contre mes unités de cavalerie. Bon, vous, vous me saoulez, hop, zut, voilà. Toi, tu grouilles, toi, pareil, même tarif, hein, les gars, au bout d'un moment. Bon, bah, alors, toi, t'as bien fait de te rapprocher, toi. Oh là, bah oui. Là, même tarif. Allez, toi, grouille, toi. Au bout d'un moment, c'est chiant. Hop, on vérifie, là, on est bien, ouais, on est bien. Bah, j'ai quelques pertes à faire attention, voilà c'est l'unité là qui lance leur javelot, c'est un peu casse-bonbon. Celui-là je suppose piqué. Ah ouais. C'est marrant où là ils sont encore à corps là-bas, mais putain. On voyait que le mode escarmouche ça marche une fois sur
fois sur deux, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas fiable du tout. Eux, ils chargent même pas, quoi. Putain. Allez hop, on charge. Voilà, là, ouais, d'accord, c'est un général, ça va prendre du temps. Allez, on verse les flèches, les gars, là. Hop, allez, rechargement rapide, je veux pas savoir. Vous êtes fatigué, c'est pareil. Non, on charge pas. Là, oh, allez. Là. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui. Pourquoi il reste là oui, non. Oh, oui, non, mais voilà. Oui, mais non, voilà. Les piquets germaniques, qu'est-ce que ça me fout. Prendre une charge, tu vois. Ah, j'ai ça, j'ai l'impression qu'ils reculent pas contre l'unité de. Contre les unités de piquets. Couillons qui sont. Hop, allez, quel côté vas-tu choisir de défendre? Eh non, non, je déconne. Eh bah si, en fait. Voilà. Et voilà, t'as gagné une jackpot, mon gars. Allez, on se rapproche, les gars. Toi aussi, on se rapproche, là. Non, on va pas charger les piquets, par contre, eux, là, ils se rapprochent dangereusement du bord. Ils ont des munitions, quoi, ou quoi? Là, c'est ça, ils ont plus de munitions, putain, les cons. Ils sont où toutes ces unités-là? Je ne sais pas. Pour aller reculer, qui c'est, ça? Non, mais ils sont. Qu'est-ce que... Pourquoi ils chargent comme ça, les cons, là? Je leur ai jamais demandé de charger. Non, mais... Et eux, sinon, vous... Vous tirez, ou ça se passe Ah c'est ça, c'est les piquets qui ils sont pas foutus de... Bon là-bas, on va y envoyer nos cavaleries corps à corps parce que bon... Apparemment, ils ont du mal quoi. Allez coucou les gars, les piquets là, on vous finit là au bout d'un moment, c'est plus possible quoi. Hop. Voilà, ils se prennent des tirs à l'arrière, là, ils vont être bien. Là ça tire, ça tire pas, ouais je crois que ça tire, mais que ça fait pas grand chose. Voilà, on refait une petite charge par l'arrière, ça devrait passer tout seul. Ouais, les doubles charges. Ouais. Ici ils sont bien, hop, ouf, on vous décale là. Là ça tire, là-bas, ils ont plus rien. Ouais. Ils ont plus rien, mais vraiment ils ont plus personne, ni... Ils ont à peine de munitions. Ok, là ils sont. Ça tient vraiment là ou comment ça se passe? Bon, bah, je vais faire une charge, forcer une charge. Hein. Donc apparemment ils tiennent. Voilà. C'est quoi cette débandade là? Oh, oh, oh les gars, allez restez près du général. Vous donner du moral hein. Hein, pendant que les ennemis meurent sauf lui. Ah, j'ai perdu deux unités de okay. J'ai plus de munitions. Reculer hein, on se fatigue ou non. Qui dit plus de munitions dit allons sur sur ces unités là, c'est du piqué, c'est du léger, bon c'est du piqué certes mais hop voilà allez hop du côté allez hop, on recule tout ça, on n'a pas le temps de s'amuser avec les unités à la hache voilà on... Putain, ils ont pas Ah merde. Bon, je vais prendre mes 3 unités lourdes là. Je vais faire genre... Eh, vous avez vu, je vais venir vers vous. Voilà. En fait, non. En fait, rien à foutre. Hop, on se rapproche. Genre
Voilà. On charge un coup, ils ont pas su vous donner de la tête. Un devant, derrière, là on entoure bien. Ce serait bien si j'arrivais à regrouper derrière voilà, ces unités là. Hop, pour pas qu'ils viennent charger. Hop, parfait, là on recharge. Hop, double charge. Voilà, ça c'est bien. Bon, il va rester le plus dur, il va rester le général derrière. Ouais. Il va falloir bien l'entourer. Hop, on retire les modes. Ça bouge pas, parfait. On continue, on en laisse moins possible au niveau s'en tirer tout simplement. Voilà, si on peut en tuer un paquet, on en fera. Hop là. Oh, ça devrait suffire, allez. C'est une victoire. Hein. J'ai perdu à peu près la moitié de mes troupes, mais... Bah, j'ai quand même enchaîné deux batailles. Hein.